Ils font désormais partie du bois sacré des enseignants de rang A. Ces professeurs d'université ont obtenu leur agrégation en novembre 2014 au 17e concours CAMES de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale. Ils reçoivent la reconnaissance de la communauté universitaire. Mes chers collègues, vous venez de passer avec succès le parcours initiatique du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-agir. Par votre engagement personnel, vous contribuez par votre succès à faire de notre université, inscrite dans la tradition de l'excellence et du mérite, une institution de référence dans la sous-région et dans le monde. Ce succès est certes le fruit d'un travail personnel, mais surtout celui d'un apprentissage dont tous ici présents êtes les acteurs majeurs et essentiels. Ce concours est supervisé par un jury international. Il a pour objectif de former des enseignants-chercheurs de très haut niveau. C'est un concours qui permet d'apprécier à la fois la capacité pédagogique des enseignants et des chercheurs, leur capacité en matière de recherche et leur professionnalisme. C'est un concours d'excellence. Sur 51 candidats déclarés à ce concours, l'université Félix Houphouët-Boigny a enregistré 41 lauréats. Ces hommes et femmes deviennent ainsi des maîtres de conférences agrégés.